Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aller faire un petit tour du côté de chez Xur et il est sur Nessos. Hein, vous voyez, vous vous téléportez à la tombe de l'observateur et il est comme d'habitude, hein, il est dans les arbres. Ça, on commence à avoir l'habitude. Maintenant, il n'a pas 10 000, 10 000 destinations finalement. Ça reste assez limité comme destination. Du coup, voilà, il est un peu toujours au même endroit. Mais bon, c'est pas trop ça qui compte. Ce qui compte, c'est plutôt ce qu'il nous a ramené. Moi, j'espérais avoir la garance. Franchement, j'y crois pas trop. Et non. Et non, pas de garance. Alors, de l'aide de vigilance, comme d'habitude, les 3 deniers. Attention, bug, tout ça. On va voir ce qu'on va nous dire début janvier, notamment pour les 3 deniers. Quand est-ce qu'ils vont être remis un petit peu à flot. Mais là, pour l'instant, je ne vous conseille pas de les utiliser. L'aile de vigilance, impulsion très sympa. Voilà, on sait, on tire en 5 rafales. On va avoir des perfs améliorés quand on est le dernier en vie de l'escouade. Donc, ça peut être assez utile dans du compétitif. À voir si vous l'aimez. Vous pouvez l'essayer clairement hein, pour le prix que ça compte. Regardez, 29 éclats légendaires, c'est rien du tout. On a le tracker d'ennemis que moi, j'ai pas utilisé encore, mais qui est très très bon. Concrètement, ça marque les cibles visuellement et ça va infliger plus de dégâts aux ennemis qui sont low life, donc plus de chances de les finir. Donc vraiment, vraiment, vraiment très sympa. Sachant que moi, je préfère le radar à décérébrer sur le chasseur, mais pour moi, c'est vraiment le deuxième meilleur casque pour le chasseur, même quasiment le deuxième meilleur exo. Il y a aussi les bottes qui rentrent en compte, donc on est sur un des 2-3 meilleurs. Voilà. On a les protecteurs de paix pour le titan qui est très très drôle à jouer en double SMG. Voilà, vos SMG vont se recharger plus, vont se recharger quand elles vont être dans votre, quand vous n'allez pas les avoir en main, quoi. Et vous allez pouvoir changer de SMG super rapidement. Donc un petit build de SMG est très très drôle avec. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Je me suis amusé vraiment énormément quand je l'ai testé. J'ai d'ailleurs fait un test d'équipement exotique sur cet exo parce qu'il est vraiment très très cool. On a l'œil d'un autre monde, assez cool aussi pour l'Arca, même si voilà, on n'a pas. Voilà, on va mettre en surbrillance les cibles prioritaires, améliorer la vitesse de régénération de mêlée, grenades et failles, mais en fait on les améliore très très peu. Donc on a la mise en surbrillance qui est plutôt cool hein, sur les ennemis low life et ceux qui ont leur super. Le reste est assez assez limité. Et comme d'habitude, comme chaque semaine, eh ben, on a l'engramme prédessiné. Et là, c'est cool. J'espère avoir la garance. Je croise les doigts. Voilà. Si ces petites vidéos Xur vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un petit like. En ce moment, sur la chaîne, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Je fais un petit peu d'Overwatch aussi en ce moment. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez envie de voir sur la chaîne les prochaines semaines. Parce que entre maintenant et le prochain DLC, je pense qu'il va y avoir un petit creux sur Destiny. Donc n'hésitez pas à me dire, moi j'ai pensé à Dragon Ball FighterZ qui sort fin janvier. Bref, je vais arrêter de parler et ouvrir ce petit engramme prédestiné. Allez, donne-moi une garance, s'il te plaît. Please, 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 une petite garance. C'est le solde de la semaine en plus. Allez, yes! Boum! Boum! Ah, ça fait trop plaisir. Alors ça fait vraiment, vraiment, extrêmement, extrêmement plaisir. La petite garance, je ne vais pas trop vous la montrer. Hein. Enfin, vous me connaissez, je vais faire un test dessus, hein. C'est sûr. C'est sûr que je vais faire un test. Donc voilà le petit revolver Mort-Rouge qui est vraiment magnifique. Très content de l'avoir obtenu en plus en live avec vous, je trouve ça vraiment cool. Pardon. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, elle m'aura fait plaisir vu que j'ai eu garance. Et à très très bientôt sur la chaîne. Bye bye!